distingués invités, mesdames, messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Fondation Claudine Talon à l'occasion de cette soirée dédiée à l'élimination des fistules obstétricales. L'une des raisons d'être de la Fondation est de répondre aux soucis d'amélioration de la condition des filles et des femmes au Bénin en milieu défavorisé. Pour y parvenir, des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation de ressources sont entreprises. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre qui va se pencher sur l'une des maladies taboues de la femme en plein 21e siècle et pourtant guérissable, qu'est la fistule obstétricale. Tabou parce qu'elles ont honte d'en parler et de se montrer. En effet, je suis très touchée par le drame que vivent les femmes porteuses de ce mal, essentiellement en milieu défavorisé. C'est pour contribuer à l'élimination de cette injustice sociale que la Fondation s'engage aux côtés des femmes porteuses, afin qu'elles guérissent et retrouvent leur place et leur dignité dans la société. Nous avons la chance de bénéficier de l'expertise du professeur Magengue, qui a gracieusement accepté de braver les kilomètres qui nous séparent de Dakar pour nous apporter sa lumière sur la question de la fistule obstétricale. J'ose espérer que nous sortirons tous de cette salle avec un autre regard sur les femmes porteuses de ce mal. Sur ces mots d'espoir, je déclare ouverte cette conférence sur les fistules obstétricales. Je vous remercie. Madame Talon, présidente de la Fondation Claudine Talon, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs, Mesdames les représentants des organisations internationales représentées au Bénin, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons cet après-midi à Cotonou, au Bénin, pour nous prêter à cet exercice de présentation de quelques aspects particuliers d'un fléau que nous connaissons tous, que nous appelons les fistules. Et Madame Talon, je suis très discipliné parce que militaire de formation, donc je respecte exactement les consignes. Je vous appellerai Madame Talon. Madame Talon, je me permettrai de remercier le professeur Perrin. Professeur Perrin, mon aîné, avec qui je partage cet engagement pour essayer de réduire le fardeau que représentent les fistules dans nos pays, en général au Bénin en particulier. Ma première mission d'évaluation de terrain s'est passée exactement au mois de mars 2008, si je ne m'abuse. Et c'est grâce à notre ami, le docteur Soudé, si présent, que j'avais rencontré en Mauritanie lors d'une conférence régionale sur les fistules organisée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, par notre ami Jélé Keïta, que j'ai accroché sur Facebook ce matin à New York avec le président Macky Sall, et le M. Dikou, à l'époque représentant de l'UNFPA au Bénin, m'avait demandé de bien vouloir venir faire une petite mission de terrain. Et le professeur Perrin m'avait accompagné à l'époque. Nous sommes partis à Tangueta, nous sommes allés à Bembeleke, nous avons été à Parakou. Et nous avions tracé à l'époque avec Soudé et l'équipe locale peut-être les grandes lignes pour arriver à prendre en charge la problématique de la formation et réparation de fistules. Et depuis cette date, nous avons pu faire beaucoup de missions ensemble. Et j'ai le plaisir de voir certains de nos premiers auditeurs, dont le docteur Mathieu Ogujobi, qui était extrêmement dynamique à l'époque, dans ce que nous avions appelé les MARFO, les missions africaines de réparation et de formation en fistule obstétricale. Et depuis, beaucoup de nos collègues ont été formés, Dr Couton, que je ne vois pas, mais qui est peut-être toujours à Tchaourou, Dr Delivera, qui est de son âme, qui est décédé maintenant, qui était à Kandy à l'époque, et pas mal d'autres qui sont dans la salle, qui sont dans le pays en train de donner leur disponibilité pour cette prise en charge. Mais vous me permettrez aussi de
marqué le plaisir que j'ai de retrouver un vieil ami, mon aîné, le docteur Baptiste, avec qui j'ai travaillé au Tchad, Tchad où je viens depuis bientôt 20 ans, et où nous avons été à peu près un mois et demi, un mois, même pas avec le professeur. Mais permettez-moi de remercier de mon élève qui est devenu mon patron, le professeur Lamina qui m'accompagne, le professeur Nia est derrière là-bas. Parce qu'il est là, il se cache. Oui, tu peux te donner quelques madame talent, tu vois. Voilà, professeur Nia est parce que la qualité de ce que nous parvenons à faire pour une équipe solide, des jeunes extrêmement engagés, et Lamina est l'illustration, je pense, de la dynamique de cette équipe. Et ça qui nous permet aujourd'hui d'être un peu partout. Je ne peux pas y être tout seul, mais j'ai une équipe suffisamment solide qui nous permet d'aller jusqu'au Pakistan. Nous avons été opérés à Madagascar et dans la plupart des pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Mais tout cela, c'est pour dire l'immensité. Il a parlé d'immensité. J'ai eu peur, j'ai regardé mon poids tout à l'heure. C'est vrai, je vais commencer à faire du sport. Donc l'immensité de la tâche. Je vais essayer de... J'ai beaucoup hésité de quelle va être l'approche pour parler des fissures dans une audience aussi hétéroclite. Mais on va essayer de s'orienter ou de se camper sur ce qui est l'objectif. C'est peut-être sensibiliser particulièrement de potentiels partenaires de la Fondation Claudine Tabo pour que tous ensemble nous puissions comprendre là où se trouvent les problèmes par rapport aux fistules et peut-être essayer de les solutionner. Les fistules, c'est une communication anormale entre les voies urinaires et génitales de la femme. Et ces communications sont le plus souvent des communications acquises. Et dans le cas de figure, on va parler essentiellement des causes obstétricales, c'est-à-dire les fissures qui surviennent par complication de l'accouchement. Mais si nous nous limitons seulement aux causes obstétricales, nous n'aurons pas de grands problèmes. Parce que malheureusement, nous avons de plus en plus des fissures qui ne sont pas typiquement obstétricales. Parce que en réalité, lié à des causes comme l'iatrogène, c'est dû à la iatrogénie. Nous faisons beaucoup de pratiques de laparoscopie, d'endoscopie, de gestes instrumentaux qui peuvent aussi entraîner des fissures. Sans compter d'autres causes de fissures dans des zones particulières comme des zones de conflit, qu'on appelle des fissures traumatiques. Nous avons quelques missions que nous menons régulièrement entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et nous retrouvons là-bas des causes qui n'ont rien à voir avec l'accouchement, qui n'ont rien à voir avec le traitement médical, le chirurgical, ou obstétrical, mais qui sont liées à des faits de guerre. Ce sont ces soldats ou ces rebelles qui viennent dans une zone, qui abusent non seulement des femmes, mais qui après utilisent tout objet contendant, plus ou moins pour les détruire, des tessons de bouteilles, des baïonnettes. Ce sont des choses que notre ami le docteur Denis Mukwege décrit parfaitement à Panzi, où nous avons été le soutenir parfois dans ces actions. Et nous avons parfois des cas associés en beaucoup de formes. J'ai dû enlever quelques images parmi celles que j'avais, parce que je ne savais pas qui était sensible ou pas. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'entre la vessie de la femme, dont le rôle est de contenir les urines et les parties génitales, il y a une communication. Et s'il y a une communication entre le réservoir et les voies génitales, nous comprenons aisément que les urines vont couler en permanence, de jour comme de nuit, debout comme couché. Ces femmes doivent se garnir, sinon elles vont se mouiller, sans compter l'odeur des urines. Vous savez, les odeurs, une odeur assez forte qui gêne. Mais il se trouve que certains parmi ces femmes ont malheureusement une communication aussi entre les parties digestives, c'est-à-dire là où les seins passent, et les parties génitales, faisant aussi au niveau des parties génitales, nous avons le passage des selles. Et quand nous avons un mélange dans une voie génitale de sel et d'urine, vous voyez ce que ça fait le mélange, c'est encore beaucoup plus compliqué en termes de gestion par cette femme qui doit user d'artifices pour rester plus ou moins dans la communauté, notre si tentée que cette communauté l'accepte. Je me souviens d'une dame que nous avions opérée à Tanguété ensemble, Mathieu, tu dois t'en souvenir, peut-être soudé, d'une dame qui avait été amenée à l'hôpital de Tanguéta par son fils. Son fils avait exactement mon âge et cette femme avait cette fissure au moment où elle donnait naissance à cet enfant-là, qui avait plus de 50 ans. Donc c'est une dame dont j'ai les images d'ailleurs, qui avait vécu pratiquement 52 ans
avec la fistule dans le Bénin. Et je pense que ce sont des cas comme ça qu'on rencontre de temps en temps et qui nécessitent peut-être que nous puissions mener nos actions, pas seulement dans les grandes villes comme Cotonou, Kwaku, Bembeleke ou Tangeta, mais peut-être aller un peu plus loin dans les zones les plus reculées. La fréquence élevée, ça c'est connu. Et malheureusement, c'est un témoin d'une mauvaise politique sanitaire. Quand je dis mauvaise politique, je ne veux pas dire que nos chefs d'État ne sont pas en train de faire. C'est pourquoi on les a élus, surtout qu'on n'en parle pas à la Fondation pour l'Inter. Nos chefs d'État sont en train de très bien faire. L'OMS est là pour nous dire, pour confirmer ce que je dis. Redresser la pente au niveau sanitaire, ça prend des décennies. Mais il faudrait que ce que nous demandons à un chef d'État n'est pas de venir et de régler les problèmes des populations aujourd'hui. Il faudrait aussi que les populations comprennent que nul n'a la capacité d'être élu et au cours de deux ou de deux mandats de régler tous les problèmes. Mais nous devons poser les bases pour que dans un avenir parfaitement contrôlé, que nous puissions arriver à ne plus avoir de fistules dans nos sociétés. Donc c'est le témoin malheureusement d'une mauvaise distribution des services de santé. Mais pas seulement d'une mauvaise distribution, mais d'une mauvaise disponibilité des soins. Et la mauvaise disponibilité des soins n'est pas seulement pour la disponibilité des structures, parce que nos États ont construit. Moi, il nous arrive de faire des pays où nous rencontrons des structures de santé. J'ai juste envie d'y rester, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, mais vous n'avez personne pour y rester, parce que chacun veut rester dans la capitale, et ça ne peut pas marcher. Et nous entendons beaucoup par rapport aux sages-femmes. En tout cas, dans notre pays de Sénégal, on dit qu'il y a 3000 sages-femmes qui chôment. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est est-ce que les sages-femmes peuvent aller, ou veulent aller là où réellement on a besoin de ces sages-femmes-là. Au point que notre ministre sortante, Mme le professeur Eva-Marie Corsec, soutenue par la Fondation Gates, a initié un programme de sages-femmes itinérantes dans certaines zones reculées où les sages-femmes vont aller de village en village. Je dis, mais Madame le ministre, c'est très bien. Mais elles seront itinérantes jusqu'au moment où elles vont rencontrer le sous-préfet qui va les épouser et qui va les fixer. Parce qu'ils vont aller de village en village, mais du haut de la femme du sous-préfet, elles ne vont plus bouger et malheureusement, on va recommencer le processus à zéro. Et ce qui est le plus dramatique chez ces femmes, c'est que socialement, elles ne peuvent pas tenir. Cette phrase traduite de l'anglais, « être sèche ou mourir », a été lancée par une femme qui avait été opérée par un chirurgien américain qui s'appelait Marion Sims. « To be dry » or die. Il l'avait opéré, on a dit 20 fois ou 30 fois, et chaque fois la femme revenait, I have to be dry or to die. Et l'hôpital de fistule des États-Unis, c'est l'hôtel Waldorf Astoria de New York. C'était un hôpital de fistule en réalité. Et aujourd'hui, il n'y a plus de fistule aux États-Unis, il n'y en a plus en Europe, et nous souhaitons que très bientôt, il n'y en ait plus au Bénin, parce qu'il est très facile d'éliminer la fistule au Bénin. Il est très facile de l'éliminer au Sénégal. Mais est-ce que nous gérons la proximité avec le pays voisin qui fait 15 000 nouveaux cas de fistule par an et dont les femmes ont légitimement le droit de circuler dans l'espace communautaire et de venir à Parakou, comme nous le verrons peut-être demain ou après-demain à Parakou. Il y a des Nigériennes qui vont se présenter à nous à Parakou et nous allons les opérer. Donc même si nous parvenons à gérer ce qu'on appelle le backlog, le nombre de cas restants pour le pays, c'est contrôlable. Il faut aussi gérer l'aspect transfrontalier. C'est d'autant plus que, Soudan ne me démentira pas, que plus de 50% des femmes porteuses de fistules opérées à Tangeta n'étaient pas des Béninoises, mais étaient des Burkinabés, amenées au Burkina par une ONG qu'on appelle ONG Sentinelle. Et ce que nous avons amené à proposer, qu'on déplace un centre vers Bembeleke, maintenant à Parakou, peut-être bientôt à Boyoukou, et avec le nouveau centre que nous avons à Cotonou, qui va probablement être très opérationnel très bientôt, on pourra au moins avoir l'opportunité d'offrir des soins aux Béninoises, mais sans exclure aussi les gens de la communauté, parce que nous avons aussi un devoir de service communautaire avec des accords que nous avons signés. Donc, le problème ne sera pas, Madame Talon, seulement de gérer les femmes du Bénin, mais votre mission, je ne dis pas qu'il est rare, mais qu'il n'est pas très fréquente. Parce que je peux vous dire exactement ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique au sud du Sahara par rapport aux fistules et l'implication des autorités. Il y a un pays que je connais,
pas très loin, qui est un pays d'où vient un très grand ami qui est représentant de l'OMS au Bénin. La première dame est extrêmement impliquée dans la prise en charge. Mais si vous dépassez ces pays, il sera très difficile de retrouver un autre pays dans notre espace où à un certain niveau les premières dames sont impliquées. Et je pense que c'est là qu'il faut demander d'applaudir Madame la Première Dame pour nous entendre pour cette initiative. Cette initiative ne se retrouve pas dans beaucoup de pays d'Afrique et je pense qu'il faut le magnifier, il faut le dire, il faut le mettre sur Facebook, il faut le tweeter. Nous savons que 80% des femmes porteuses de fistules vivent en Afrique au sud du Sahara. Donc, ça règle, vous voyez, 2 millions, 3 millions, on ne sait pas. Mais le Nigeria à lui seul, surtout la partie nord-ouest, quelles que soient les politiques qui ont été mises en place au Nigeria, on voit que ça. Donc ce n'est pas seulement un problème de construire des centres de santé. Ce n'est pas seulement un problème d'ouvrir des facultés de médecine, encore moins d'ouvrir des écoles de sage-femmes. Ce n'est pas seulement un problème d'aller trouver les moyens, mais c'est un problème de gestion des déterminants sociaux de la santé. Tant que nous ne descendrons pas plus bas que cela, nous ne réglerons pas nos problèmes. Et c'est là où il faut, je pense, qu'on réfléchisse ensemble sur comment gérer les déterminants sociaux de la santé. Et parmi les déterminants sociaux de la santé, il y a la démographie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand on parle de dividendes démographiques très fort à nos amis du NFPA, d'aucuns pensent que c'est pour dire aux femmes n'ayez plus d'enfants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de dire à chaque femme vous avez juste 3 enfants. Si vous allez dans un pays comme le Sénégal, mon pays, ou au premier mariage, on vous demande de choisir votre régime, polygamie ou monogamie. Et si vous dites polygamie, on dit 2, 3 ou 4, vous dites 4. Et que chaque femme fait 3 enfants, ça fera 12 enfants. Est-ce qu'on a réglé le problème dans ce ménage-là? On n'a pas réglé ça contre les autres, qu'on ne calcule pas ou qu'on ne comptabilise pas. Donc il faudrait que ça joue sur les mentalités. Qu'en réalité, c'est un problème simplement de respect des droits des femmes. Et quand je dis des droits des femmes, des droits des femmes en tout. De s'autodéterminer, de déterminer le nombre de grossesses, de déterminer l'espace mental, etc. Et si nous ne travaillons pas sur ça, nous n'y arriverons pas. Parce qu'on va construire des centres de santé, mais lorsque la femme devra demander l'autorisation au mari pour y aller, parce qu'elle n'est pas autonome sur le plan économique, ou bien que le mari lui-même, même s'il a l'argent, doit demander l'autorisation à sa maman, donc à la belle-mère, pour y aller, ça posera de gros problèmes et ça rejoint les grands retards ou les 3 retards dont nos amis obstétriciens parlent tous les jours. Et si vous regardez cette carte, c'est quand même assez éloquent. Les zones noires, c'est là où il y a les fistules. Il n'y a pas de fistules partout, ici il n'y en a plus. Vous voyez, il y en a en Afrique, il y en a en Asie du Sud-Est. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Quand on est allé, c'était avec le professeur Nia, on était au Pakistan il n'y a pas très longtemps. J'ai été 2 mois avant lui, il est revenu avec moi. Mais c'est, on ne peut pas finir les 4 fistules du Pakistan. Mais c'est d'autant plus que dans ces zones, moi, je ne sais pas, je ferai très attention parce qu'aller opérer une femme pakistanaise, peut-être que le mari ne veut pas que les hommes touchent les femmes. Simplement. Et je pense que ce sont des éléments dont il faut prendre en tenir compte. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes compétentes pour opérer les femmes pour des fistules? Je dis non. Est-ce qu'on autorisera les hommes à le faire? Ça, c'est un autre problème qu'il faut gérer. Donc, même si nous voulons, il y a des limites sociales qui nous poseront un petit problème. D'où cette plaque que j'aime beaucoup. Je voudrais que la fistule obstétricale soit une injustice sociale. Et je dis toujours, il n'y a pas de raison que mon épouse, nos épouses ne fassent pas de fistule et que nos sœurs de l'autre côté fassent des fistules. Donc c'est un problème de justice et d'équité sociale. Parce que les fistules survivent chez des femmes pauvres qui opéraient, guéris, resteront pauvres. Restant pauvres et vivant dans un même environnement avec les mêmes pesanteurs sociales vont refaire des fistules qui vont être beaucoup plus graves que la fistule première parce que survenant sur un tissu qui a déjà été remanié. Donc ça cause des récidives de fistules chez des femmes qui vivent dans un même contexte. Donc ça nous ramène aussi aux déterminants sociaux de la santé. Et en ce moment-là, ça nous pose la problématique, Madame Talon. Il faut prévenir. Il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux cas de fistules. Donc il y a beaucoup d'actions à mener et ces actions, ce sont les actions que mon ami Oumpati Benjamin fait tous les jours. Toutes les stratégies de réduction de la mortalité maternelle sont des stratégies de prévention de la fistule. Mais les femmes qui ont déjà la fistule constituée, il faut les opérer.
D'où l'importance de faire ce qu'on appelle un mapping, où se trouvent les structures où on peut opérer, quelles sont les ressources humaines pour les opérer, mais quelles sont les femmes en attente d'être opérées. Et il faut les opérer, mais pour les opérer, il ne s'agit pas seulement de faire voyager le professeur Perrin aller au nord ou même dans notre pays, il s'agit de faire que les femmes porteuses de fistules aujourd'hui soient opérées de la même façon que vous opérez les fibromes, de la même façon que vous opérez les ovaires, de la même façon que vous faites les césariennes. Il n'y a aucun problème à faire, parce que la fistule n'est pas souvent plus compliquée que faire une césarienne, et n'est pas plus compliquée qu'enlever un fibrome utérin, encore moins de faire une kyste de l'ovaire. Donc, il faut que nous changions aussi nos mentalités pour savoir que les femmes porteuses de fistules ne sont pas des femmes à part, mais elles sont des femmes entièrement à part, mais des femmes à part entière. Il faut absolument que nous les inclusions dans nos listes opératoires. Il faut dire que lorsqu'elles rentrent dans l'hôpital à l'hôpital, qu'elles bénéficient de la même attention que l'autre femme qui vient pour autre chose et qu'elle puisse avoir sa consultation d'anesthésie et son bilan comme l'autre dans la même semaine et que nous puissions le mettre dans le corps opératoire et opérer en routine comme les autres femmes et non qu'on les stigmatise en les mettant dans un endroit attendant de façon hypothétique un soutien d'un bailleur et peut-être l'arrivée d'un expert qui n'en est même pas un souvent. Je pense que c'est extrêmement important que nous partagions cela comme ça. Je ne vais pas parler de physiopathologie, je pense que nous avons déjà parlé de tout ça, mais parlons un tout petit peu des facteurs qui peuvent favoriser les fistules. Une réunion va se tenir à Dakar, je crois, du 23 au 25 octobre sur le mariage des enfants, mariage précoce. Et il y a une réunion, je pense, qui se passe aussi bientôt à Niamey sur les fistules avec certaines premières dames ou les premières dames. Je pense que c'est important que nous agissions sur ces éléments-là. Un, sur les mutilations génitales. Moi, j'ai été en Érythrée opéré il y a quelques années, j'ai été ahuri quand je voyais les femmes telles qu'elles étaient mutilées génitalement. Avec ces fibroses, elles ne pourront jamais avoir une bonne expulsion. Je pense que c'est important que nous luttions contre ça. On ne peut pas marier des enfants. Moi, je dis souvent, quand on me dit cet enfant a 12 ans, on est, je vois ma fille à la maison. Si quelqu'un venait me voir pour dire qu'il veut épouser ma fille, ah, malamé. Si quelqu'un venait me voir pour dire qu'il veut épouser Khadi à 12 ans, moi, je te l'ai écouté jusqu'à la fin. Mais quand j'aurai fini avec toi, je pense que tu vas te retrouver là-bas dans l'île de mort. Ce n'est pas possible que nous épousions, que nous marions ces enfants à ces âges. Il faudrait aussi que nous suivions les grossesses et les accouchements. Ce n'est pas tant parce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas tant parce que nous n'avons pas déterminé les normes graves et autres. Mais c'est parce que dans la société, il y a des hommes et femmes qui pensent qu'il ne faut pas aller voir la sage-femme et que comme la matrone du coin avait accouché la grand-mère, qui avait accouché après la tante et la mère, il ne faut pas aller. Voilà, ça revient de Baptiste aux déterminations de la santé. Nous construirons tous les hôpitaux du monde. Si nous ne travaillons pas sur ça, nous ne réglerons pas le problème. Et je pense que le problème de référence se pose au niveau de nos pays. Excusez-moi de montrer juste une petite image qui n'est peut-être pas très choquante pour montrer à ceux qui n'ont jamais vu une fistule ce que c'est. C'est le cas de cette femme qui est couchée. On prend une petite sonde qu'on le met par le meilleur, par où normalement les urines doivent sortir, et vous voyez par là où la sonde est sortie. C'est-à-dire qu'il y a une communication ici entre les deux parties. Je peux en montrer une autre, que certains ferment peut-être les yeux. C'est le cas de cette femme. Vous voyez, on a mis une sonde par la meilleure, là où doit uriner, et vous voyez, la sonde est sortie donc, par la cavité vaginale. Il y a donc une communication entre la vessie et le vagin. Mais si vous voyez cette femme, on a examiné par le rectum, on a mis le doigt, et le doigt est ressorti par le vagin. Donc c'est la même femme en réalité qui a une communication entre le rectum et le vagin. Donc les matières fécales vont venir dans le vagin, mais aussi les urines vont venir dans le vagin. Et ce sont des formes suffisamment complexes que les femmes soutiennent très difficilement. Je vais sauter ces images-là parce que c'est un peu difficile. Pour parler des répercussions sociales des femmes porteurs de fistules. Quand on voit ces femmes qui viennent solliciter nos soins, tu les vois diminuer. Elles ont perdu un peu de leur dignité. C'est la femme à qui tu dis, tu viens le jour de Pâques, à minuit je t'opère, elle sera là le jour de Pâques. Tu lui dis non, tu ne fais pas la messe de minuit, de ça, si tu viens, elle va venir. Parce qu'elle ne veut que guérir.
Elle ne peut plus contribuer à l'activité sociale. Elle ne peut plus préparer à manger. Le mari est parti le plus souvent. Parce que le mari, chez nous par exemple, il y a une croyance qui voudrait que lorsque votre femme fait pipi au lit, vous devez lui faire, lui pisser dessus, excusez-moi le terme. Sinon, vous allez mourir. Donc si le mari se réveille et trouve que le lit est mouillé, mais il court parce qu'il pense qu'il va mourir. Et ça, c'est un gros problème. Par contre, en Mauritanie, mon cher Dr. Baptiste, les hommes restent avec leurs femmes. On s'est rendu compte que les femmes porteurs de fistules, en Mauritanie, les maris ne les abandonnent pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être développer pour qu'on sache que ces femmes ont besoin quand même qu'on les accompagne. Ces répercussions sont très importantes chez des femmes qui sont souvent très jeunes, autour de 13, 14, 15 ans. Mais qui, pour la plupart, ont perdu l'enfant qu'ils portaient. C'est-à-dire que même s'ils avaient l'enfant qui était né vivant, tu aurais pu comme, avoir comme satisfaction que je suis blessé, c'est vrai, mais j'ai mon enfant. Mais ils ont perdu l'enfant et ils ont un problème social. Et je pense que c'est là que ça renforce l'aspect d'exclusion. Et ces femmes deviennent de véritables parias dans la société. Il y a des coins à l'époque où c'était véritable, il y avait des cases pour les femmes porteuses de fistules. On les mettait dans des cages, on les oubliait. Et en ce moment-là, toute leur vie sexuelle est compromise. Mais comme la vie sexuelle est compromise, mais la procréation aussi est compromise. Jusqu'au jour où maintenant les femmes reviennent, peut-être guéries, entrant dans des stratégies de réintégration favorisées par les bonnes actions de la Fondation Claudine Talon. Et quand ils vont revenir au village, et que le mari, comme un bélier, fait comme ça, il ne sent rien du tout. Il voit que la femme a pris quelques grammes et il sent très bon. Et la femme est revenue avec une petite enveloppe, avec une formation qui lui a été donnée pour lui permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Le mari va courir pour revenir. Les hommes, vous êtes dangereux. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Quand on a commencé avec le ministère de la Famille à mettre en place ces stratégies, on a des femmes maintenant qui viennent très potelées, très belles, et les maris maintenant les ramènent au contrôle. Alors qu'elle ne les avait jamais amenés en consultation quand ils avaient la fistule. C'est dramatique quand même, Mathieu. Il faut parler aux hommes, n'est-ce pas? Et vous voyez cette femme, c'est juste l'image qu'on montre souvent de cette femme qui marche. Cette image m'a beaucoup frappé, c'était au Tchad, Baptiste. 45 degrés à l'ombre au Tchad. Et cette femme, qu'on avait fini d'examiner, pour se protéger, parce qu'elle n'a pas de quoi acheter les garnitures du commerce. Elle prend tout ce qui est étoffe, comme ça. Et après, maintenant, elle prend, vous voyez ça, chez une femme, 45 degrés. Baptiste, je me trompe, hein? Le 2 mai 2012, quand j'atterrissais, à 1er mai 2012, atterrissais à Diagana pour une mission fistule, il faisait 48 degrés à 20h30. Et mon ami Issa Labou, qui était venu par le vol de Midi d'Éthiopie, a atterri, il faisait 52 degrés. Imaginez, à Diagana, je veux dire. Pas à Béché, encore moins ailleurs. Et vous voyez, cette femme va vivre comme ça en attendant qu'on puisse la guérir. Ça va donner des lésions. Je vais en montrer quelques-unes parce qu'il faut qu'on voit ce que ces femmes vivent. C'est difficile à soutenir. Voilà ce que ça donne chez ces femmes. Ces femmes ont fini d'avoir des lésions qui sont comme ça. Ça irrite les urines, ça pique et ça fait très très mal chez ces femmes-là. Je pense que c'est important qu'on sache ce que ces femmes vivent. Par-delà cet aspect de venir attendre qu'on les opère. Et ils finissent isolés, déprimés, dans certains cas, complètement dans la dépression. Et je pense que quiconque aura contribué à sortir une seule femme, une seule, je dis bien, une seule femme, de cette situation, aura contribué à sauver l'humanité. Mon cher ami, le docteur Latunji, qui aime bien écrire des livres ésotériques, comprend bien qu'il est dit dans l'un des livres saints, quiconque a sauvé une vie aura sauvé l'humanité, n'est-ce pas? Mais quiconque aura ôté une vie aura ôté la vie à l'humanité. Donc quelqu'un qui aura contribué par quelque action que ce soit. Je pense qu'il faut dépendre finalement ce que nous faisons, pas de façon sacerdotale, mais de façon tout à fait divine. Parce que je pense que quiconque, de quelque façon que ce soit, même en donnant l'information, même en donnant un franc pour qu'on puisse les amener là où on doit les soigner, même en donnant un demi-franc pour qu'on puisse acheter l'équipement pour les soigner, en contribuant un penny pour qu'on puisse acheter de quoi les former pour qu'ils deviennent autonomes au village, ou les retransporter pour les ramener au village, aura contribué à sortir ces femmes de ce moment.
Il faut prévenir les fistules. Je ne vais pas assez long pour qu'on puisse discuter si vous en avez besoin. Il faut promouvoir certaines pratiques dont les gynécologues parlent tous les jours. Il faudrait aussi faire la prévention secondaire. Il faudrait donc surveiller le travail et l'accouchement, c'est extrêmement important. Il faut aussi améliorer la coordination entre les différents acteurs dans la gestion des urgences, mais surtout améliorer la communication et le plaidoyer donc, d'une bonne prise en charge et d'une bonne réinsertion sociale. J'avais dit au départ qu'il fallait prévenir, qu'il fallait soigner les femmes qui malheureusement avaient une fistule constituée, mais il fallait aussi les réintégrer. Donc si la Fondation se concentrait seulement à l'aspect, permettre à toute femme qui arrive dans un centre d'être soignée. Je vais être maintenant très pratique. On a besoin de quoi? D'un kit. Ça ne coûte pas très cher. On élabore un kit. Voilà comment coûte un kit avec tout ce que ça comporte. Comme on a fait pour les kits de césarienne. On dit approximativement à Niki, à Ndali, à Djougou, à Bembeleke, à Natitemou, combien de cas on peut opérer. On opère tant. La fondation, 100 plus 10%. Donc vous avez 110 kits. Mais vous devez faire un rapport à celui qui coordonne pour qu'on sache que vous avez opéré ces 100 cas. Les 10, c'est pour si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a une machine, un cas plus long qui a demandé. Donc ça, on peut le mesurer. Combien ça coûte de transférer une femme et qu'on évite de prendre une femme de Malanville jusqu'à Cotonou? Ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est que la femme de Malanville ou de Badikora, il faut qu'ils aillent à Bembeleke. Mais tous ceux qui sont du côté de la Pendjari, qu'ils aillent du côté de Tangueta. Maintenant, on va réduire les courses. On pourra estimer le coût maximum de déplacement d'une femme en fonction de la zone. C'est là où on va contribuer avec la cartographie à dire, voilà les centres de traitement primaire, mais il y a des cas qui auront besoin d'attention particulière que nous ne pourrons pas opérer dans des centres secondaires, il faut les amener dans un centre quand même un peu plus fort. C'est le cas de Parakou, c'est le cas de Tangueta, c'est le cas de Cotonou. Et en ce moment-là, lorsque la femme a besoin qu'on l'opère, qu'on n'a pas besoin d'amener une équipe parce que ça va être plus cher, mais on le prend de là-bas. On les met à Cotonou, on les met dans une maison d'accueil, on la lave, on lui fait le renforcement psychosocial, on l'opère, mais pendant le temps qu'elle attend l'intervention, le temps d'être guérie, on commence la formation pour des activités génératrices de revenus. Et à la fin, on lui donne un peu d'argent, on va la ramener dans sa communauté, et voilà une réinsertion sociale, une réinsertion économique, et ça a guéri. Voilà donc des stratégies comme ça que nous avons mises en œuvre un tout petit peu partout, et qui permettent surtout de gérer le problème dans la globalité, mais surtout d'utiliser les anciennes femmes qui étaient victimes de fistules, qui étaient guéries, comme des agents de plaidoyer. Et là aussi, c'est important d'identifier quelques femmes dans chaque hôpital, de les inviter un jour en petit déjeuner à Cotonou à la Fondation Claudine Talon, leur donner leur rôle, et elles deviennent maintenant les ambassadrices des autres. Et elles vont contribuer surtout à identifier les femmes. Parce que le problème global que nous avons remarqué, c'est que malgré l'argent qui est aujourd'hui dépensé pour les fistules, jusqu'à présent, les femmes ne sortent pas comme on l'aurait attendu. Donc le premier défi, c'est d'identifier les femmes porteuses de fistules, de les orienter vers les centres de traitement, de les opérer, de les préparer à des activités générales de revenus et d'en assurer la réinsertion sociale. Le deuxième défi, c'est la formation. Mais ce n'est pas seulement la formation, parce qu'on va à Parakou 2010, ils viennent avec nous, puis quand on rentre, ils rentrent dans le coin, ils oublient. C'est surtout de traduire Mathieu Oujogbi, la formation que tu as très bien reçue. Je t'ai vu opérer, j'ai les images, je peux les montrer à la première dame tout de suite. Tu opérais, je t'ai vu opérer. Il faut dire que cette formation soit traduite en service aux populations. Ça ne sert à rien que les bailleurs contribuent à mettre de l'argent, qu'on forme des gens. C'est vrai qu'il est plus élégant parfois de faire une laparoscopie, c'est moderne, quoi, voilà, de faire une FIV. Mais le rôle du médecin, c'est de régler les problèmes des populations. Mais l'enfant qui a une fistule, son problème, c'est la fistule. Ça ne nous empêche pas, et je le dis toujours, c'est pas parce que je voyage partout pour faire des fistules que nous ne faisons que des fistules. Nous avons un service d'urologie des plus modernes. Nous avons installé il y a 5 jours,
un équipement de traitement des calculs qui n'existe dans aucun pays de l'ancienne région. Nous avons un service qui a tous les moyens modernes de traitement de l'urologie. Mais nous donnons chacun 15% de son temps pour le service communautaire. Parce que nous avons considéré la fistule comme notre participation au service à la communauté. Mais ça ne nous empêche pas maintenant, pour le temps qui nous reste, de pousser au maximum l'urologie moderne dans les services. Et il n'y a aucune machine moderne en dehors du robot utilisé en France dont nous ne disposons pas et que nous n'utilisons pas. Donc ça n'empêchera pas Mathieu de faire toute la gynéco moderne, l'atelier de faire ses fives et tout ça, mais quand même donner 10-15% de votre temps quand même au service à la communauté. Et d'ailleurs, toutes les universités actuelles ont ce problème de service à la communauté. Si nous ne servons pas la communauté, ce n'est pas la peine. Et si nous ne servons pas la communauté, il n'y a pas de raison que nous demandions à Mme Talon de venir s'asseoir ici. Elle aurait pu faire autre chose. Elle aurait pu aller à New York à l'Assemblée générale. Mais elle est restée ici. Parce que je connais beaucoup de premières dames qui sont présentement à New York. N'est-ce pas, madame? Mais elle est là. Donc je pense que pour ça, il faut l'applaudir. Parce qu'elle n'est pas là. Nous avons suffisamment parlé de l'insertion sociale. Et ça, on sait comment ça se fait. Il faut accompagner ces femmes. Il faut les organiser après en GIE. Elles travaillent très bien. J'ai vu un modèle très intéressant en Gambie, à Mandinaba, c'est du côté de Brikama, un peu au nord. Une ONG qui s'appelle Bafro, B-A-F-R-O-W, qui a un centre de traitement à Serekunda, en Banjul, près de Banjul. Et ils ont un centre communautaire à Mandinaba, ils ont mis en place des structures. Toutes les femmes, ils ont même inclus maintenant les femmes qui étaient les anciennes exciseuses. Qui abandonnent les décisions, on les a formées, elles sont venues dans le centre, et maintenant elles font tout ce qui est farine, de mil, de blé, c'est comme ici. Comment ça s'appelle ce que est mon ami Denakou, Lucien Lignan Pilé, là. Pas Lignan, parce que Denakou, il élimine trois boules de Denakou, Lignan Pilé, pas trois semaines, quand on va à Tangueta. Donc, par exemple, former les femmes à faire de Lignan Pilé, à faire des trucs comme ça, et les industrialiser, ça, ce sont des choses qui sont possibles dans le cadre de la perspective d'insertion. Il faut que toute la communauté ait conscience de ce problème. Il faut casser les tabous, lutter la stigmatisation. Chez nous, ce qu'on appelle les Badjenugor est une stratégie d'utilisation des femmes dans la communauté. Par exemple, un quartier donné, une dame ancienne respectée, c'est comme je l'appelle en français, c'est la aunt of the county. C'est une tante qui est là, respectée, qu'on utilise et qui devient une sorte d'interface. Qui voit une femme qui marche enceinte, qui l'appelle, qui dit « Alors, comment va ma fille, ça va ? Apparemment, tu es enceinte depuis combien de temps ? Depuis 3 mois. Est-ce que tu as été faire des consultations ? Non. » Et qui la prend par la main, qui l'amène au centre de santé, qui lui fait ouvrir le carnet, et qui note, et qui revient le prendre quand la prochaine consultation arrive. Et actuellement, ils sont structurés en un réseau national des Badjenugor. Et ça, je pense que le président Macky Sall les a reçus il y a quelques mois derrière au palais. C'est quelque chose qu'on peut faire. Faire une sorte de maillage du pays. Dans chaque ville ou village, identifier des femmes comme ça qui vont jouer un rôle dans la transmission de nos politiques. Sinon, Baptiste ne peut pas lui-même élaborer, réfléchir et appliquer sur le terrain, ce n'est pas possible. Et je pense que le plus important, c'est dans la prévention. Quoi que nous disions, on a calculé, c'était dans 2 ou 3 pays, que si nous continuons au rythme actuel, il faudrait peut-être 100. Oui, c'était dans le bureau, c'est dans le bureau du directeur régional du UNFPA, Mabi Guégom, le vendredi dernier, avec Sosten et autres. On a fait le calcul. Un pays comme le Nigeria, si nous restons dans les stratégies actuelles, il nous faudra 150 ans pour éliminer les fistules. Mais pas seulement, ce ne sera pas 150 ans, hein, parce qu'en temps, de nouveaux cas de fistules vont venir. Donc ça va être une sorte de serpent qui se mord la queue. Il faut que nous fassions des efforts énormes pour qu'il n'y ait plus de 4 fistules. Il faut que nous contribuions tous à ce que ces 4 qui sont déjà là, qu'on les soigne. Et c'est là où je pense que nous devrions mener nos actions pour que le nombre de femmes qui attendent soit pris en compte. Et aussi, je pense que c'est là qu'il faut marquer la solidarité dans le cadre de la francophonie. Moi, je n'ai aucun souci à opérer au Bénin. Parce que quand j'opère au Bénin, c'est comme si j'opère à Dakar. Et je pense que le professeur Perrin, qui a mis en place la formation de gynécologie au Tchad, on verra bientôt Baptiste, il y a quelques années, où il y avait combien
4 gynécologues ou 5 à N'Djamena, 2 ou 3 qui se battaient tous les jours. Mais récemment, je suis parti, c'est agréable, c'est extraordinaire. Avec une collaboration entre l'Université de N'Djamena et l'Université d'Abomey-Calabi, coordonnée par le professeur Perrin, une promotion de gynécologue est déjà sortie il y a un an et demi. Donc, le CAMES a été mis en place pour que les pays qui sont plus nantis en termes de ressources appuient les autres pays. Et je pense que si nous le faisons à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale, nous parviendrons bientôt tous à aller dans une grande dynamique. Mais nous, en tant que praticiens, nous ne pourrons pas sortir des salles d'opération, aller dans la communauté, identifier les femmes, les ramener à l'hôpital, les opérer et les ramener dans la communauté. C'est là où nous devrions avoir des stratégies pour que chacun connaisse son rôle dans cette affaire. Et dans ce rôle-là, l'appui des bailleurs, l'appui des fondations, parce que ce que la fondation peut faire, le ministère peut parfois ne pas pouvoir le faire, parce que les défis sont partout. Mais si chacun prend une partie, et j'aime bien cette jarre, c'est comment on l'appelle, c'est chaque fils du pays mettait sa main sur la jarre, trouvée. Le Bénin a l'image, la plus belle image de solidarité. Et je pense que personne ne devait être fondation sans mettre dans son logo à l'intérieur de la jarre qui est superbement élaborée et qui permet de dire que tout est dans la solidarité. À l'issue de la communication du professeur Séri Maguey-Gueye, le professeur René Xavier Perrin s'est prononcé sur l'initiative de la fondation Claudine Talon. Le problème de fistule obstétricale est un problème qui existe vraiment au Bénin. Et le fond du problème, c'est que, comme on l'a expliqué, ce sont des femmes qui sont un peu rejetées par la société et qui vivent isolées, cachées. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un tas d'ordures et au lieu de l'enlever, vous allez mettre une natte dessus. Mais vous ne pouvez pas cacher, les ordures sont toujours là et ça va sentir. Donc on estime qu'il y a environ 2 à 3% de cas de fistules. Vous voyez, si on voit à l'échelon du Bénin, ce sera vraiment très important. Mais on ne les voit pas. Et quand on les voit, c'est dans le cadre de missions de réparation. En ce temps-là, il y a un battage médiatique, les ONG interviennent et c'est comme on fait sortir des rats. Et c'est là que les gens apparaissent et qu'elles posent leurs problèmes effectifs. Alors, nous en sommes conscients et nous savons que au niveau de la fistule obstétricale, c'est en général une complication donc d'un accouchement. L'accouchement a duré pendant longtemps, l'enfant est mort et finalement, il y a cette lésion qui se constitue. Au-delà de ça, même si on fait une césarienne pour faire sortir l'enfant, le fait que l'accouchement ait duré pendant très longtemps, il y a des lésions déjà qui se sont constituées et 2 ou 3 jours après, on voit que la femme perd les urines. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a lancé les mesures de gratuité de la césarienne. Mais gratuité de la césarienne, c'est une chose, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Il faut qu'il y ait l'accessibilité, il faut que les gens soient sensibilisés, soient en contact avec le système de santé pour avoir rapidement cette césarienne-là qui va permettre, en quelque sorte, d'éviter le long accouchement qui sera à l'origine de la fistule obstétricale. Mais au-delà de ce problème, il faut considérer que la fistule obstétricale, c'est l'échec de la gratuité de la césarienne. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu bénéficier à temps de la césarienne qui se retrouvent dans cette situation ou qui ont bénéficié trop tard de la césarienne. Auquel cas, la prise en charge, c'est-à-dire la subvention de la césarienne, devait déjà être étendue aux femmes porteuses de fistules. Parce que nous sommes là à dire fistules. Nous avons formé des chirurgiens pour réparer les fistules. Moi, j'ai sillonné tout le Bénin. J'arrive dans un coin, je dis, vous rencontrez des fistules de temps en temps. Et qu'est-ce que vous faites?
Si elles ont l'argent, on les opère. Sinon, elles repartent. Alors, ce n'est pas normal d'être obligé d'attendre qu'il y ait une ONG qui vienne de l'étranger ou bien un organisme international qui vienne financer un problème que nous-mêmes, nous pouvons résoudre. Nous pouvons, au niveau des communautés, au niveau des municipalités, au niveau des riches commerçants, au niveau des gens qui dépensent des millions pour faire des fêtes, mobiliser l'épargne nationale pour prendre en charge ce problème. Et c'est l'un des sens de cette manifestation avec la Fondation Claudine Talon pour que les gens de bonne volonté soient informés de ce problème et apportent leur pierre à l'édifice. La Fondation Claudine Talon, initiatrice de l'événement, a conçu toute une stratégie déclinée en plan d'action pour la prise en charge des fistules obstétricales et pour leur éradication.